Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Spyro 3 pour l'épisode 21. Donc on va continuer donc les modes de jeu réservés à Sparks. Donc celui-ci, je sais plus où il est en fait, si c'est là ou quoi. Parce que j'ai été jusque là mais je sais même pas en fait. Il y a rien en fait. Parce que là c'est en bas de... Ouais. Je sais même plus où il est niveau de Sparks. Ah, peut-être là-bas. Faut que je vérifie, mais j'ai un doute en fait. Peut-être ici. Je sais pas si je peux accéder direct. Ouais, ça doit être là. Voilà, c'est ça. La princesse Amy m'a montré un endroit qui s'appelle le rivage des étoiles de mer. Selon elle, il y a un œuf caché là-bas. Je pense que Sparks devrait y jeter un coup d'œil. Bah allons-y, on va jeter un coup d'œil. Donc c'est parti pour le troisième niveau de Sparks. Et après il en restera un et ça sera terminé pour on va dire le petit mini scénario de la libellule. Alors apparemment c'est des étoiles, j'allais dire étoiles filantes mais non, des étoiles de mer qui nous attaquent. Et là on peut pas ouvrir. Ah, faut une clé sûrement. Et donc là, ça se passe sous l'eau, apparemment. Il y a des petites bulles qu'on peut avoir d'habitude. J'arrête pas de me prendre des dégâts là, par contre. Hop là. Ça, c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est des post-sky pas très gentils. Non, je reste appuyé sur la gâchette, mais des fois ça fait des... Ça fait des demi-tours, ça me... Je dois pas appuyer assez. On a eu le temps de me toucher, celle-là, par contre. Alors ce pouvoir-là, je vais le garder pour l'instant. Nettoyage de masse. Ok, là je vais le prendre pour voir ce que ça donne. Ah, c'est des mines. Alors comment ça va fonctionner par contre? Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas si c'est des mines telles chercheuses par contre. Ça m'a l'air d'être sympatoche. C'est raccord avec le niveau, on va dire. Foutu gâchette. Ah, c'est pas tête chercheuse en fait, c'est juste que c'est une onde de choc, mais ça reste très limité. C'est réglé. Ah, ça chie carrément des poissons, sinon c'est risqué. Faut faire gaffe. Non, oh putain, la rage. La vie descend très très vite. Non, déjà...
Oh la vache, putain, je calcule pas du tout la vie, c'est un truc de ouf, c'est que chaque fois je me dis j'y vais en warrior, je vais les dégommer quand même, mais en fait non, pas du tout, que je perds un maximum de fées. Voilà. Alors, les postailles. Voilà. Ok. Alors là, par contre, il y a... bon, celle-là, elle est fermée. Il y a 36 portes. Là. Ça doit être celle-là, je pense. Et tac. La suite, c'est par ici. Alors, il y a un petit checkpoint, ça fait bien plaisir, ça peut servir. Fais dodo toi aussi. Alors, hop, je sais même plus d'où je viens en fait, c'est la suite là ou quoi? Ouais, apparemment. Bon, je vais d'abord, je venais d'ici je crois. Ouais. J'ai aussi bien que j'ai eu rien loupé, comme d'hab. Ça m'a l'air d'être bon. La suite. Peut-être bientôt arriver au boss, mais derrière, putain, j'ai plus d'une. Heureusement qu'ils ont une portée limitée, ces post-clés. Il y a du monde. Y aurait-il une vie dans les parages? Ah. Peut-être le boss cette fois. Je l'ai déjà dit avant, mais bon. Je pense que là on va y arriver. Ouais, là ça sent le boss, je sais pas pourquoi. Même pas. Ah si. Ah c'est une rique, hein, je me rappelais pas de ça. Ça a rien à voir avec une étoile géante ou quoi. Ah, elle envoie des mines en plus. Ah, elle est rapide. Hein. Ok. Et c'est encore. En plus je crois qu'on se retape des bestioles avant le boss. Me touche pas. Oh là là, ça m'énerve le. J'ai beau appuyer sur la gâchette. Pas si bon, je sais pas. Bon, attendez, je vais. Parce que là, le son il part en couille. Hop, on se calme le son, s'il vous plaît. Ça peut être assez compliqué comme ça. Voilà, j'ai plus de vie, donc ça va pas aller loin, je crois.
Il est blindé ce truc par contre. J'aurais bien aimé avoir un pouvoir. C'est pas envisageable. Oh là, j'ai rien à dire. Ils sont sérieux là. Là, je vais crever. Hop là, en mode fuyard. Okay. S'il vous plaît, la gâchette. Rambo, le truc. Je vais peut-être y arriver en fait, mais c'est chaud. Là, le moindre coup, normalement, je meurs. Voilà, une demande, et la deuxième. On va pas tarder à crever. Meurs. Voilà, ça c'était chaud quand même. J'avais pas le droit à l'erreur là, le moindre coup c'était fatal. Anachon, c'est assez chelou comme nom, et pourquoi pas. Par contre là il y a une porte, c'est quoi? Ah, c'est malin, je vais me planquer des joyaux maintenant. Voilà. En fait, c'était le chemin qu'il y avait au tout début de du niveau. On ne pouvait pas accéder. Donc ça, c'est réglé. Là, on va voir du coup ce que je gagne comme aptitude, pouvoir spécial. Parce que je vous avoue que les deux premiers, je les avais retenus. Mais alors les suivants, bonne question. Quand j'ai vu cette raie géante, j'ai cru que t'étais fichu Sparks. Mais tu lui as fait voir du pays. La magie de l'œuf t'a rendu encore plus fort. Tu peux encore encaisser un coup pour Spiro. Ah d'accord, ça c'est pas mal, ça ça donne une vie supplémentaire, ok. C'est cool. Tout sympatoche. Et donc du coup, ça y est, on va arriver au dernier niveau avec Sparks. Et pour ça, rendez-vous montagne de minuit. Alors le dernier par contre, je sais plus à quoi ça ressemble. On va voir ça ensemble. J'ai pas du tout souvenir de ce que c'est. Ça va peut-être me revenir direct quand je vais le voir, mais... Là, comme ça, en tout cas, ça me dit rien. Allez, let's go. C'est parti, mon kiki. Hop là. Alors. Juste avant que tu aies botté le gros derrière moche de la sorcière, elle a construit une usine d'insectes robots pour attaquer Sparks. Mais je ne crois pas qu'il soit de taille contre lui. Et ben on va voir ça. Des insectes robots. Ça, franchement, pour l'instant, ça me dit rien. Peut-être que quand je vais voir leur design, ça va me rappeler des souvenirs, mais... Là, pour le coup, ça me dit rien. Alors là, déjà, la map est mieux que dalle. On va voir ça. Alors, déjà ça, faut le courser. Ça, c'est le voleur qu'il y avait avec Spyro, sauf que là, c'est un scarabée, quoi. J'arrive. Voilà. Ah, si, ça y est, ça me dit quelque chose. Attends, c'est l'espèce de coccinelle. Ça me revient. Ça y est, maintenant ça me revient. On va avoir une coccinelle géante, je crois, en dessous. Si je te dis ça. Retour des voleurs en peur. Ah putain, ils chopent la clé. On peut la faire lâcher, ça c'est pas mal. Quoi. On va d'abord s'occuper des autres. Si tu marches pas avant.
Voilà. Perdu la moitié de ma vie pour ça, c'est compliqué. À moi la clé, grand guignol. Putain, j'ai mal aux doigts avec les touches directionnelles, là, c'est un truc de fou. Je vais mourir. À moi la vie. Voilà. Alors ça c'est quoi? Ah, invulnérabilité, ça peut être cool. Foncer dans le tas et tout défoncer. C'est le moment ou jamais. Y a-t-il des monstres à péter? Comme par hasard, y a rien, ça. J'arrive. Voilà. Ça c'est bien comme technique parce que du coup lui il veut forcément choper la clé. Et nous pendant ce temps là on les dégomme. Alors par où commencer par contre? Ok c'est par là. Le vieux bruit que ça fait quand ça les fait trop, c'est trop. Hop là. Et du coup, techniquement, j'ai une vie supplémentaire aussi pour ce mode de jeu. Si Spark c'est toujours plus forte. Deuxième clé. On récupère le joyau. Bah là je peux pas lui tirer dessus, non c'est pas le choix, faut le courser. Voilà. Alors j'ai plus trop de vie là par contre, ça commence à faire mal. Et j'ai plus de pouce aussi, accessoirement, et ça fait mal aussi. Putain, elle a gâché, les gars. Voilà. Yes. Ta gueule, le petit papillon. On récupère les petits joyaux, c'est parfait. Et il doit rester que cet accès. Ah non, même pas. Ça doit être un autre endroit là. Ah là, alors je pense. Je m'épose deux secondes. Je commence à avoir mal au dos, c'est un truc de ouf. Allez, c'est parti. C'est réglé. C'était peut-être pas une bonne idée de faire ça, par contre. Oh merde. Mode attentat suicide. J'ai fait que de la merde. C'est chiant parce que là, du coup, j'ai plus le pouvoir. À faire du caca. Yeah.
j'ai plus de vie. Bon, ça va, ça redonne pas mal quand même. Hop là, c'est bon. 200 joyaux, au moins on a plus à s'en faire, et là je pense qu'on va arriver au boss du coup. Et on aura terminé le monde de Sparks. Putain, j'ai plus de main, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui m'attend au truc à 15 000 joyaux là, mais ça va être compliqué je pense. What the fuck? Moi je croyais que c'était un truc genre une course nageur en fait. Si on s'en tape deux d'un coup, ça va pas être bien. Et merde. C'était dans ma gueule. D'avoir pété celui du milieu pour être tranquille. Si je meurs pas avant, ça serait mieux. C'est pas si simple que ça, parce que là il s'astique dans tous les sens. Ils envoient des espèces de suppos. Ils sont pas inesquivables, mais le problème c'est qu'ils font des dégâts de zone en fait. C'est ça le problème. Ça va, il en envoie dedans en fait. Vu qu'il en envoie, enfin vu que ça fait des dégâts de zone, c'est un peu plus risqué, faut éviter d'être proche des parois. Hop hop hop, on se calme, il y a un truc qui me focus. Pause deux secondes parce que ouf, ça va vraiment me faire mal au dos quoi. Oh merde putain. Si je mets pause pour faire ça, ça vaut pas la peine. En fait je spam la touche con, mais je viens de me rendre compte que je pouvais rester appuyé, ça tirait aussi automatiquement. C'est intelligent de ma part. Bon, moi maintenant je le sais. Et merde. Putain, c'est chaud, j'ai pas beaucoup de vie. Je vais focus celui du tour au pire. Ce sera peut-être plus simple. Je,
Je laisse me rentrer dans, enfin, rentrer dans ma zone de tir. Et je vais essayer d'esquiver le plus possible, même si ça va pas aller pour l'instant. Aïe, il va arriver. À crever. Oh, putain, calmez-vous. Ils sont déchaînés là. À un moment de retir, je me. Oh l'enfoiré. Putain, il prend des trajectoires de bâtard exprès pour me la mettre à l'envers. Pas gentil ça. Allez, on est pas mal là, je pense. Je perds pas trop de vie. Quoique, si je dis ça, ça y est, c'est le viol. Et d'accord, ok. C'était pas pour aujourd'hui. Enfin, il est chaud ce boss hein, par rapport aux autres. C'est pas le même délire, hein, c'est clair. La race était tendue, mais bon, t'arrives à garder tes HP, mais là, c'est pas aussi simple. C'est bien qu'il meure là quand même. Ça m'aiderait beaucoup. Il a l'air d'être résistant en fait, ça risque une vue, putain. Mais il meurt jamais du coup. What the fuck? Il meurt pas le bordel. C'est Terminator. Mais sérieusement, j'aimerais bien qu'il meure partout, parce que là, je vais crever. C'est bon. Putain, il est costaud le bordel, il veut pas claquer. C'est un truc de fou. Il faut faire pareil pour l'autre avant que les deux meurent, je sais pas. Ouais, d'accord, ok. Oh là là, pff, c'est un truc de fou, putain. Mourir, quoi, c'est abusé, j'en peux plus. Moi. Ça peut être un bon moyen ça comme ça. Ah bah voilà, mais il est mort en 2-2 là, cette chose. Là. Mais l'autre il est hyper résistant. Putain, j'ai un bug de son et j'ai plus de vie. Vas-y, je vais crever là encore, c'est parti pour ça. What?
Ouais, bon, d'accord. Mais le bug de son, là, bâton, j'ai fait la technique. Fini. Putain. Tout ça pour me faire recommencer. Tout n'est que complot et trahison. Ouais, d'accord. J'ai voulu la jouer Warrior, voire corps à corps, mais c'était pas une bonne idée. J'ai plus de vie. Ok. Ce qui est chiant en plus à chaque fois, c'est quand tu meurs au dernier, ça fait pas de bruit, donc tu sais pas pourquoi tu meurs. C'est marrant. Enfin bon, tu devines pourquoi, mais c'est frustrant quand tu vois pas la mort arriver. Donc. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, faut réussir à survivre face à ce connard. Ça n'arrête pas de me bombarder la queue. Allez, vas-y. En plus, il tourne au dernier moment pour bien te la mettre. Putain, mais. Oh, vas-y, il va dans le même sens que moi, quoi. C'est abusé, putain. Tout est fait pour me péter. Une heure plus tard, j'avais toujours pas réussi à péter ce boss. Ah, je le voyais pas aussi dur celui-là. Allez, bim, dégage. Annabelle. Mes pouces me remercient. J'en peux plus. Ah, j'ai plus de pouces de ouf, quoi. Ça nique trop les pouces, ce genre de jeu 2D, en fait. Parce que là, c'est en 3D, mais c'est vu de dessus, donc ça a vraiment des mécaniques de jeu 2D. Ça me défonce les pouces, ce genre de jeu. C'était pareil hein, quand je vous avais fait... Ce dernier œuf devrait avoir des pouvoirs magiques en plus. Car Sparks a de nouveaux pouvoirs. Il peut désormais forcer les coffres à trésors et à l'aide de l'Atlas, il peut te téléporter vers n'importe quel niveau. Il suffit de sélectionner le niveau souhaité et d'appuyer sur la touche carré. Alors ça, c'est très cool. Il me semblait bien qu'il y avait un bonus comme ça, on pouvait se téléporter directement dans un niveau. Mais je savais pas que c'était avec Sparks, et par contre, ouais, le fait de forcer des trésors sans aller chercher la clé, ça je savais pas, par contre, je me rappelais pas du tout. Donc voilà, donc c'est fait. Enfin, je voulais pas aller là, moi je voulais juste mettre pause pour voir, voilà, 15 000 partout, 149. On fait une petite sauvegarde au cas où, puisqu'on en est là. Hop, et on va aller donc dans le dernier niveau. Ok, normalement, je sais ce que c'est, enfin, je sais la finalité, mais je sais plus s'il y a un vrai niveau avant ou si c'est direct la finalité. On va voir ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen de choper une vie dans ce temps? Apparemment. Et donc, on a le super tour bonus. Alors,
qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle plus. Super tour bonus, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bonne question. Ok, ça me dit rien comme ça en tout cas. Alors du coup, il y a encore toujours plus de joyaux. Fini par y arriver, Spiro. Chasseur s'inquiétait un peu pour toi après que tu aies parti combattre la sorcière, mais j'ai toujours su que tu la battrais. Bon, on entend un voleur en arrière-plan en tout cas. Dans cet endroit, la sorcière conservait tout son trésor, mais après sa défaite, une bande de voleurs est venue le piller. Si tu peux attraper les voleurs, tu es plus que convié à garder le trésor. Et bah allons-y, en route vers la richesse. Bon, déjà on va s'occuper du voleur en 2-2. Voilà, dégage. Ah ouais, du coup c'est pas du tout des œufs là, c'est que de la thune qu'on gagne. C'est cool ça. C'est tout. Ah, il y en a un autre là. Ah, il m'a l'air plus compliqué. Oh là, il y en a plein en fait ici. Oh. Je me rappelais pas qu'il y avait ce genre de truc. Oh merde. Epic fail. Je me rappelais pas du tout qu'il y avait ce genre de truc avec les voleurs. Ça va être compliqué, je pense. Surtout au niveau des trucs à sauter, là, il y en a partout. Ouh, séché! Allez, dans ta gueule. Je vais pas me plaindre. C'est cadeau pour moi. Ah oui, puis là, ça y est, ouais. Là, il y a d'autres mondes. Là, ça me dit quelque chose, par contre. À moi, les joyaux. Putain, je kiffe. La richesse. Là, ça mène. Il y en a un autre ici. Je sais même pas où il est, le bordel, on l'entend. Mais... Faites les mains. Ah, c'est où? Allez, dégage. Hop. Toi, t'inquiète, j'arrive. Alors, je regarde juste le pouvoir du coup. Ouais, c'est ça, il indique, quoi. Ah, il va à droite, à gauche. Enfin bref, il précise là où il y a des jouets. Oula, oups. C'était pas prévu. Alors après, j'imagine qu'il faudra péter les soucoupes. Chaque chose en son temps. Dégage. Alors, est-ce que j'atteins 16 000 ou pas? Ça a pas l'air. Où est-ce que j'ai pas été encore? Je pense que j'ai tout fait ici. On va retourner là-bas peut-être. Ah, ouais, mais celui-là, je l'avais déjà tué, non? Ah, là, par contre, il est chaud, celui-là. Voilà. Ok. Alors, du coup, on va accéder à des zones. On va commencer par celle-là. Je crois que c'était 16 000, celle-là. Voilà. Je sais même pas où ça va m'emmener ce truc. Let's go. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula! Ça me dit quelque chose, ce marin. Salut Spiro! As-tu vu Bianca? Elle s'inquiétait beaucoup pour toi après que tu es parti combattre la sorcière. C'était assez marrant, hein? L'enculé. Elle essayait de se la jouer relax, mais elle se rongeait les sangs jusqu'à que tu retournes sain et sauf. Et par contre, lui s'en bat les couilles, quoi. Il vient de le dire directement. Je viens juste de réparer un vieux sous-marin. Pourquoi n'essayes-tu pas de faire une virée avec? Bah écoute, vas-y. Génial! Monte à bord. Ça va être encore les autres sous-marins orange à péter, j'imagine. Putain, si c'est ça, ça va être chiant par contre. Parce que ça m'avait saoulé le dernier, là, il était impétable, le bordel.
À moins que ça soit plus simple, mais ça m'étonnerait. Techniquement, quand t'arrives à la fin d'un jeu, c'est plus dur. Quoi. À moins qu'ils sont relax et c'est vraiment juste pour l'amusement. Parce que c'est vrai que les voleurs, quand même, on n'a pas trop parlé, mais je les ai butés très facilement, mine de rien. Donc est-ce que c'est juste pour le fun, voilà, tu collectes plein de joyaux, t'es content, je sais pas. Bon, celui-là, il a l'air d'être plus ardu, quoi. Il est galère à viser celui-là, mais il avance trop vite. Viens par là, petit poisson rouge. Hop, là, le dernier, il est là-bas. Voilà. Alors je sais pas s'il y en a au sol, par contre j'ai pas du tout vérifié. C'est la zone de départ ça? Je crois. Hein. Est-ce que c'est tout? Je vais vérifier parce que si on peut y aller comme ça, c'est qu'il y a peut-être des trucs. Oh, ça grésille encore, décidément. Hop. Là, j'avoue, je sais pas du tout. Parce que c'est quoi le... On va peut-être voir dans l'atlas combien il en faut en tout. Super tour bonus... ou un œuf secret... 2334. Ok, sur 5000. Donc, je les ai peut-être tous sur maintenant. C'est vrai que quand on regarde comme ça, il y a rien. Ouais, je pense pas qu'ils ont fait leur bâtard, ils ont dû faire au plus simple, être cool avec le joueur et du coup ils ont pas mis de. Ils ont pas mis de joyaux à chercher pendant 10 km je pense. Parce que même si j'utilise Sparks, elle réagit pas donc. Donc c'est ok, donc on s'en va. Ok pour ce tour. Alors il est déjà 43 000, je vais tenter un autre bonus si c'est jouable ou pas, puis on verra. J'aimerais bien un petit truc. Ah oui! Ça me revient, parce qu'il y a un truc de skate qu'on n'a pas encore fait. Et je me rappelle que celui-ci, il y a un boost, et que... Alors par contre, ce circuit, je crois qu'il est assez dur, mais il y a des passages assez longs. Et ouais. Si, si, oui, je me rappelle d'un circuit de... Ça va peut-être être le suivant. Il était cool, en tout cas, j'avais bien kiffé. Est-ce que ça va être ça? Ah ouais, parfait, c'est celui-là. Ah, je le surkiffe, ce circuit aussi. C'est la course de surf des neiges à turbo la plus rapide du monde. Les champions locaux sont les Sasquatch 6, une bande de yétis sur 10 des neiges gonflées. Imprononçable. Je parie que tu peux tous les semer. Si tu gagnes, ils nous donnent une montagne de trésors. Si tu perds... Je dois nettoyer toute la piste avec ma langue. Bah putain. Alors, sa vie entière, je sais même pas si ça va suffire. Allez, let's go. Ouh merde, dommage. Oh putain, c'était pas mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, là, il y aura des joyaux à récupérer de fou. Oh merde, j'ai fait des conneries. Ouais, il me semblait bien que ce circuit était assez chaud. Il y a aucun rebord et tout, tu tombes dans le vide pour rien du tout. Et merde. Je tente des choses qu'il faut que je me réhabitue quand même au circuit, hein, logique. Oh là là, décidément. Il est stylé aussi ce skate. Une espèce d'overboard à réaction. Ok, lol. Pourtant j'ai sauté, j'ai utilisé le boost. Non, ça n'a pas suffi. Ok, ça décidément. Oh, décidément, je me fais toujours ici. Putain, c'est chaud quand même. Il n'y a aucun rebord sur le circuit. C'est vraiment la plus grosse difficulté que si tu veux faire
des cascades et gagne du boost. Faut vraiment le faire à des endroits bien stratégiques pour le coup. Ok. Mais j'arrive pas à aller plus haut, c'est le même. Je capte pas. Bon allez, on termine le truc et je le réessaie. Je vais juste faire un essai et après je ferai ça dans la vidéo suivante pour pas qu'il dure 10 plombs. Dommage. Non, dommage. What? Oh, ça m'avait redonné le plein de boost. Je sais pas ce que j'ai fait pour ça. Pas mal cette technique qui donne plein de boost. Je vais essayer de prendre un maximum de joyaux. What? Oh, on peut pas leur rentrer dedans, ceux-là? Genre, c'est des crabes piégés, les trucs. Ok. Bon, on va réessayer, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Merde, fais chier. Oh, dommage. Putain, mais je me chie dessus, c'est vraiment con. Et, mais c'est pas, j'arrive pas à aller plus haut ou je sais pas. Ou je vais trop quoi, mais c'est bizarre, je peux pas descendre après. Je comprends pas là ce truc. C'est étrange. Dans ta gueule. Oh mais j'appuie sur triangle, il fait pas les cascades, il dévie. Merci Gadjo. Ok, j'ai fait de la merde. Il arrive à me... à me coller, quoi. Bon. Cheater. Ah, merde. Putain, je pensais être sur le bon rebord, mais non. What? Ok. C'est le respawn punitif. T'as voulu faire le con, tu tomberas. Ok. Bon, du coup, là, c'est la fin. J'ai lose, mais... On verra ça dans la vidéo suivante, mais je pense que je vais bien m'amuser, puisque mine de rien, c'est quand même bien cool. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et on se dit à la prochaine pour peut-être la dernière ou l'avant-dernière, du coup, parce que là, il doit plus rester grand-chose, mais tout dépendant, en fait, de si j'y arrive ou pas au niveau, et puis après ça dépendra aussi de si je vois que je galère vraiment trop longtemps, bah je ferai des ellipses pour éviter que ce soit trop répétitif. Donc tout ça fait qu'on verra si c'est l'avant-dernière ou la dernière vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter et on se dit à la prochaine. Allez, à plus !